Et bonjour, aujourd'hui on fait une petite vidéo sur le Galactic Duel. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors on est actuellement diamant 1, diamant 2 je pense, presque diamant 1. On va espérer atteindre l'immortel au moins ce soir. Alors, j'ai pas trop vu qui c'était. Ok. Un gars de la Italia 30 plus. On va pas faire la même erreur, on va bannir Iki. Ok, il a l'air de jouer autour de June et. Ok. Sa team m'inquiète un petit peu. On va voir ça. Ok, j'ai de la chance, j'attaque en premier. La question c'est de savoir est-ce que je focus June? Je pense que je focus Deathmask. Deathmask m'inquiète beaucoup. J'aimerais pas qu'il me fasse un sale coup par la suite. Hop. Ah bah parfait. Du coup là c'est le mu 100%. Bon on va essayer de le tuer. Non. On va prendre ça quand même. Le mu prend quelques dégâts. Il va être obligé de faire le shield sur le mu. Sur le Death Mask. Ok. À faire des dégâts. Le shield de Mu ne m'inquiète pas trop. Dans deux tours, normalement, je suis censé faire la vague avec Poséidon de façon à ce que j'achève son Death Mask. Ok. Ici, idéalement, le Mu ne m'inquiète pas plus que ça. À voir qui c'est. Je pense que c'est le Poséidon. J'ai pas envie qu'il me fasse des dégâts ce tour-ci. Je veux pas que Poséidon fasse des dégâts. Ah bon, ben, il en fera quand même. Ce tour-ci, on enchaîne, on fait des dégâts, on en rentre le plus possible. Ok, il enchaîne les shields. C'est pas un problème puisqu'au prochain tour il sera en auto. Donc le premier shield là, c'est. Donc là, si je fais des dégâts, ça va pas empiéter sur Deathmask, ça m'intéresse pas tellement. Je vais faire ça. Donc là, on n'a pas envie de se faire l'idée là. Alors, il y a un truc à faire, c'est que je vais protéger la June. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que. Ah, mais non, mais il a focus. Je me suis trompé. J'ai pas vu. Il avait focus avec son Milo, je crois. Le Death Mask va mourir de toute façon. Mais s'il fait ça, de toute façon, son Milo va aussi proc Majun. Donc c'est pas un problème. Il peut faire que des AO. Ok, ça prend des dégâts. Je pense que celle-là, elle est gagnée. Cette game est gagnée. Ok. On va continuer de faire ça et attaquer avec Seiya.
Ok, très bien. Donc, ici, on va faire ça alors. Je comprends pas. Pourquoi ça attaque comme ça? Bon, de toute façon, cette June est morte. Il fait carrément mal. Bah, t'es saucette, mais j'ai pas trop compris en fait le délire. Moi aussi, je suis saucette. On veut pas, mais toi, tu crèves. Bah, j'ai déjà lui. On passe diamant, on repart. Vorg, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est pas un mauvais joueur. Alors, il semble pas montrer de Ikki. On va ban Ikki quand même. Ah, ok. Très bien. On va partir sur cette compo là. Je vais garder l'Aphrodite. Pas de. Ok. Pas de June. Donc ici, 100%, on cache le Ikki parce qu'il y a Mystique qui attaque avant. On fait ça. Dans tous les cas. Ah, si mon téléphone veut bien. Ok. Il semblerait que. Ah, c'est bon. Alors, ici, tout dépendra. J'aimerais pas qu'il y ait. Comme par hasard. De préférence, il faudrait que j'arrive à tuer la Luna. Je pense qu'on va aller chercher Luna. Hein. On va essayer de la one-shotter. De vie au niveau 70, elle ne devrait pas tenir à ça quand même. Non, c'est bon. Donc on tue le, au moins on a tué le Death Mask, on est content. Donc là on cible qui? Le Misty, je suis pas très content. Heureusement que je vais perdre ma transfo. Ah non, mais non. Ah si, 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 c'est très bien. Je peux me retransformer. Non, je me retransforme pas. Bon, c'est pas bon.
Donc là, il peut encore m'enfermer. On va essayer de tuer le... Je veux tuer le chat-là. Ok, très bien. En faisant ça, il ralentit beaucoup son gameplay. Il n'avait pas trop le choix non plus. Là, dans tous les cas, si Misty n'arrive pas à stun mon Ikki, j'ai gagné. Ok. Bon ben, c'est gagné. En revanche, je ne focus toujours pas le bon. Ah bah. C'est cuit. Son chakra est mort. Voilà. GG à lui. Donc là, on a pu voir deux teams. Ma team qui tourne autour de Ikki et celle qui tourne autour de Seiya. On peut remarquer quand même que Sion reste utile dans les deux teams. J'ai pas joué Shaka. Je trouve que Shaka est un peu trop faible. Surtout quand vous voyez les baleines qu'il y a dans le classement. Crimson, Hank, Hawk, Dasofok, tout ça c'est du lourd. Donc ça tiendra pas contre ces teams-là. Alors, tu joues quoi? Il n'a pas l'air de jouer. Je vais lui bannir. Je vais bannir June. Et je vais tourner autour de Seiya. Alors, bon, ici son Kiki attaque avant, là ce qu'on peut voir c'est que la seule cible potentielle c'est mon Poséidon et donc c'est pas très value pour lui, sauf si, non c'est pareil. On va attaquer Seiya. Seiya Shaka. On va attaquer avec Seiya. Ah ouais. Ben Furio, j'ai trouvé plus fragile que ton canon. Bah. On proc, hein. Dégâts, j'ai l'impression d'être une whale. Remarquez que je joue pas de team canon, je déteste jouer canon. Personnellement, je trouve que le gameplay est un peu abrutissant. Enfin, c'est un peu grossier de dire ça comme ça, mais je peux comprendre les gens qui veulent jouer canon. Si je devais battre certaines grosses baleines, je pense que Canon serait peut-être la meilleure solution contre eux. Je ne blâme pas les gens qui veulent jouer Canon, de toute façon tous les personnages sont jouables. Je serais le premier à le faire, franchement. Ok, donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le... Voilà, le Poséidon. Donc ici... Il va rien gagner du tout étant donné que le Poséidon est à la dent de dragon. J'ai fait justement exprès de faire que Poséidon ait justement la dent de dragon pour que je puisse ne pas mourir lors de l'explosion. Donc.
Donc tout ce qui est contrôle avec Canon, c'est terminé. On gratte. Je dis pas non à quelques potions. Ok. What? Ok, très bien. Donc là, j'aimerais achever son... Tenter d'achever quelqu'un là. Son possédant, il est en off. On va essayer d'attaquer le chacun. Bon, ça marche toujours pas. Allez, au moins là. Non, toujours pas. Oh, lui, il est mort. Bon, il se rend. Il savait. GG à lui. Ou à elle, peut-être. Ok, bon, mais on continue. Ah, gros, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un gros joueur, hein, cette team. Ok. Je vois qu'il joue de tout. Je suis pas bien. Je suis pas bien sur cette game, je pense. Il va silence mon Seiya. Et du coup, je vais être obligé de le jouer T2 en mettant le shield du Fion sur le CA de façon à ce que je ne prenne pas le silence sur le deuxième tour. Voilà. Bon, toute cette team joue avant. Je pense pas la gagner ça. Qui on va aller chercher du coup? Bah toi, je déteste les death masks. Là on est obligé d'aller chercher le Mu. Alors, je suis obligé de garder ça, ça. Non. Ici, il n'y a pas de mono-cible. Hop. On va faire l'Icid. Plus le shield de Sion. Et voilà. En théorie, si ça passe pas... J'ai déjà vu que ça passait, hein, des fois. Tente le coup quand même. Je trouve que c'est osé. Et ça fonctionne. Du coup là on va mettre des murs de vent. On va encore mettre des icides.
On va justement le remettre sur le Misty parce qu'il va disparaître. J'ai aucune raison de ne pas commencer à attaquer. Hop, je fais des dégâts. Ben voilà. Pas tous les jours quand même. Là, j'ai vraiment pour objectif d'aller tuer le Deathmasque. Akala. Le but, c'est Deathmasque. C'est lui qui va vraiment changer la game. On va aller le chercher. On remet ça. Je vais aller frapper avec le yoga. Yoga devrait pouvoir faire pas mal de dégâts. Du coup, le Deathmasque meurt avant que le... Voilà, il est mort avant. Ça, c'est du coup value. Hop. Là, il n'y a plus de raison. On fonce. GG à lui. Ok. GG à lui. C'était un bon joueur quand même. Avec une grosse box. Ça sera tout du coup pour cette vidéo. Du coup, j'espère que ces 4 plays vous ont plu. Je continuerai à faire quelques vidéos sur le GD. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.